Je vais déplacer sa niche dans le nouvel enclos à poules pour qu'elle soit protégée, parce que j'ai aussi reçu le filet que je vais bientôt installer. Donc elle sera beaucoup plus en sécurité là-bas. Mais c'est pas du tout sûr qu'elle ait envie de me laisser faire. Les petits sont tous sortis, on dirait. Le plus dur est fait, j'ai réussi à les déplacer, à mettre tout le monde dans la boîte à chat. Mais c'était assez traumatisant pour tout le monde. Quand j'ai attrapé la mère, elle a lâché une grosse déjection. Je pensais pas que ça avait l'estomac aussi rempli de peur. Donc ça pue partout dans l'ancienne niche. Mais bon, j'ai réussi à mettre tout le monde dans la boîte. J'ai pas retrouvé d'autres œufs, donc ils sont tous éclos. Je compterai après pour vérifier qu'il y a bien 8 canetons. Et j'ai plus qu'à ramener la niche avec la paille qu'il y avait dedans, le toit, les cailloux sur lesquels est déposée la niche pour éviter que le bas pourrisse. Et ensuite je les libérerai et puis je leur mettrai un enclos dans l'enclos pour qu'ils soient isolés des autres poules et des autres canards. Et qu'ils puissent se promener un peu à l'extérieur de leur niche aussi. Parce que pour l'instant ils étaient enfermés à l'intérieur. Là ils vont pouvoir sortir en sécurité. Les restes de coquilles d'œufs, les restes de salade et les graines qui ont été un peu éparpillées dans la niche sont pillées maintenant. Tant mieux, ça va nettoyer le coin. Et je vais enfin pouvoir exclure ce coin de la rotation des poules, parce que c'est là où elles ont passé tout l'hiver. Et faut que de l'herbe repousse maintenant. On a eu un hiver et un printemps très sec, pas de pluie depuis la fin de l'hiver. Et du coup, l'herbe n'a pas du tout commencé à repousser. Allez, on continue à prendre les briques qui servent de pourtour. J'ai pris les briques de l'arrière, mais il me reste les deux côtés et l'avant. Ça y est, j'ai ouvert la cage de transport devant la nouvelle cage. Et la maman est déjà sortie. Les petits sont sur le chemin. Le transport est dans un sale état, va falloir bien la laver. Et je crois qu'il y en a une qui mérite d'être réhydratée un peu. Donc on en a 2, 4, 6, 7, 8. En comptant celui qui est caché dans la paille. Donc ils sont tous nés. Il y en a deux qui sont encore un peu mouillés. On va leur foutre la paix maintenant. Je vais juste leur amener à boire et à manger. Et laver la cage. Je crois pas qu'elle ait envie de rester là. Et les canetons, ils ont aucun problème à passer par le grillage. Donc il va falloir un gros renforcement. Et de toute façon, cette nuit, ils vont rester enfermés encore dans leur niche. Parce qu'il va encore faire moins 1. Donc cette nuit, je ferme. Mais là, elle a intérêt à rentrer, à les réchauffer, parce que c'est des petits canetons qui viennent de naître. Donc je vais m'éloigner pour qu'elle se calme. Voilà la barrière anti-poussin. Des parpaings que j'ai récupérés à droite et à gauche, et entre autres à la base de mes défuntes ruches. Je suis content, la canne a fini par sortir pour boire. Ils ont fait le tour de la niche et puis ils sont re-rentrés dedans, dans la paille. Là, je pense que tout le monde est au chaud sous les ailes. On les voit pas bien. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à faire le tour du jardin pour voir les dégâts du gel. J'ai vu que les kiwis qui ont l'air d'avoir bien souffert. Tous les autres vont bien. Les feuilles de tous les grands arbres vont bien. Par contre, les kiwis, ils ont morflé. Tous. Encore une nuit à moins 1.
On a eu un printemps, début de printemps vraiment très doux. Et d'un seul coup, ça s'est rafraîchi violemment en une nuit. Et puis il y a d'autres problèmes, c'est la sécheresse. Le sol s'est affaissé ici. Il y a des fissures qui se font un peu partout. C'est un sol argileux, donc quand ça dessèche, ça finit par fissurer. Et à ce moment-là, ça dessèche encore beaucoup plus vite. Donc j'ai vraiment besoin qu'il pleuve dans les 2 semaines à venir. Sinon, je suis bon pour arroser tous mes arbres. Ça, c'est la mare qui est à sec depuis fin février. Et c'est beaucoup d'argile que les canards ont déposé dedans. Donc là, il y a bien 30-40 cm de visible dans les fissures. C'est très sec.